bonne nouvelle. Le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie. Gouvernement contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine, quoi. Khaled al-Assad. Actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro un là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui, tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Content de te voir, mon gars. Prends un fusil sur la table. Donc salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71 et on se retrouve enfin pour le let's play que je vous parlais depuis le début. Donc nous y voici, donc le let's play de Call of Duty 4. Bon, je sais que inverser les commandes, non. Mais voilà, c'est nickel. Donc, ils vont me faire faire quoi maintenant? Tirer, veiller, pression avec le viseur. D'accord, faut que je vise comme ça en fait. Laisse tomber le viseur. Ok, voilà. Tiens, t'es content. Bref. Donc, sur ce let's play de ce jeu qui, bah, ma foi, était déjà vu, je pense, je ne sais combien de fois par je ne sais combien de personnes, mais ça me tenait beaucoup à cœur de le faire quand même. Et là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Appuyez sur R pour charger votre arme. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, je le fais tout simplement parce. Oula. Parce que. Wow! Parce que, tout simplement, j'aime beaucoup ce jeu, et c'est le premier Call of Duty auquel j'ai vraiment accroché, quoi. Donc voilà, bon bah je précise quand même une chose, hein, c'est que je suis sur PC. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ok, j'avais pas compris qu'il fallait tirer sur lui. Voilà. Faut que j'y fasse le plus vite possible, je crois. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, prends une arme de poing à l'arsenal. Prends une arme de poing, vite, cours. V, hop, donc je ramasserai les armes avec V. Hop, appuyez sur la molette O pour reprendre votre arme principale. Voilà. Votre arme de poing. Oh. Voilà. Il est plus rapide de sortir ton arme de poing que de recharger. Ouais, mais moi c'est pas souvent que j'y fais ça. Ah, F pour utiliser le couteau. Voilà, moi souvent je n'ai pas le réflexe encore de changer mon arme. Bon, je sais que c'est une grosse erreur. Bon, je sors là. Ouais, je crois qu'il faut sortir, c'est bon. Ah. Oui, laissez-moi sortir. Ton queen indicateur, ben ça j'avais compris. Qu'est-ce que j'étais en train de baragouiner comme machin? Est-ce que je peux monter à l'échelle? Non, je ne peux pas monter. Tab pour afficher les objectifs. Il n'y a pas besoin. Attendez, il faut pas que j'aille trop loin parce que. Et un coup, j'ai loupé la porte comme un con. Ah, allez, voilà les copains. Salut vous. C'est le nouveau, chef. Le nouveau. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour Captain ici. Captain Price. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce foutu nom, sauf? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Sauf à toi de passer le test de combat rapproché, les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Gaz détient le record du groupe avec 19 secondes. 19 secondes. Bon, on va essayer de faire 119 secondes, ça va pas être évident. Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué à jeu et sur ordi en plus, je vous explique pas. Bon, je suis V pour changer avec la MP5. 9. Non, je veux. Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, cool. Hop. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, je sais pas si je vais le faire entièrement sur PC ou si je vais alterner console PC. Je ne sais. Ok, ça c'est fait. Bon voilà, ça m'apprendra à dire n'importe quoi. Je vais, voilà, ça m'apprend, non, qu'est-ce que je répète deux fois la même chose. Je ne sais pas si je vais le faire sur Xbox ou surtout sur PC ou les deux, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est sur PC, c'est sûr. Mais bon, je vais, oula, j'ai encore failli tomber. Bon allez, on y va là. Ah voilà. Donc, ma souris bug en plus, donc, hop, j'essaie quand même de faire un truc pas potable. C'est juste quand ils vont me demander de faire la grenade flash, ça va juste être horrible quoi. Tiens toi, hop. J'ai, je pense, non, c'est quoi? J'en sais même pas c'est quoi qu'elle touche. Ah, vite. Bon, je crois qu'on les 19 secondes, on les aura. Ah, je me flash la gueule tout seul. Ça va être marrant. Je crois que ce let's play va être très drôle. Faut que je passe par là, non? J'aurais pu utiliser F. Voilà, hop. Et maintenant, il faut que je. Grenade flash dans la porte. Tiens. La grenade flash, je vais me flasher la gueule en même temps. Bon, en même temps, c'est pas le principal du jeu, on s'en fout de battre leur corps ou pas. Hop. Difficulté recommandée, recrue. Eh ben, mettons, recrue alors. Messieurs, la mission cargo est lancée. Sur Xbox, on aurait beaucoup moins chier, croyez-moi. En plus, je crois qu'on me. Pour les jeux qui découvrent les FPS, vos compétences ne comptent pas sur. Ouais, mais non, je garde recrue, comme ça au moins vous ne verrez pas mourir, ce sera plus rigolo. Donc voilà, encore une cinématique.
Donc sur Xbox, hein, c'est dommage qu'on peut pas mettre de manette Xbox, c'est vraiment dommage. Donc bref, passons, nous allons faire la première mission, petit briefing. Équipe Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règle d'engagement. Équipage sans importance. Ah, nous revoilà donc dans l'avion. Je peux bouger la caméra. Oui, regardez l'extérieur. Bon voilà, ça reste encore largement beau, hein, pour. Enfin bon, ouais, si je peux dire beau pour ce Call of Duty, puisque il est sorti en novembre 2007. Donc il y a déjà un sacré moment. Bon, c'était développé par Infinitoir. Oui, voilà, je dis pas de conneries. Donc pas par Triarch, celui-là, c'est bien par Infinitoir. Donc c'est le premier d'une grosse série de Call of Duty, enfin à succès, on va dire. Hop. Donc là, nous allons atterrir sur le bateau, fabuleux cinématique de descente de rappel, et vous êtes tous morts. Oh là, ça a saqué un coup là. Hein. Ah, j'allais tuer lui là-bas, il a piqué mon kill. Ah. Voilà, y'a rien. Allez hop. On avance. J'ai l'impression que ça saccade un peu, ce trap qui fait ça, oui, puisque je... Oh, il a peu bu lui là-haut. Ceux qui regardent cette vidéo, consommez l'alcool avec modération, hein, toujours. Hop. Ah, ils les ont tués, ils étaient en train de dormir. Oh, ils ont vraiment sali, qu'ils ont aucune pitié, les mecs. Bon, moi j'aimerais aller me baigner, moi là. Bref, bon, allez, on va arrêter nos conneries. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Rien pour le moment. Donc, je cours. Courons. Sous la pluie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux à volonté. Il n'y a strictement rien, mais les gars, ils veulent faire feu. Toute logique. Ah, ils sont là. Tiens, toi, hop. Tac là. Donc c'est pas très fluide cette affaire, je sais pas comment ça va s'en sortir. Ça va être marrant quand on va être dans le bateau. Ouais, c'était bien ça, c'était joli. Hop, qu'est-ce qui se passe donc là? Je crois qu'il va y avoir un hélicoptère qui va bientôt arriver. Je suis dégommé un peu quand même, simplement. Hein. On est là pour tuer du monde, on n'est pas là pour chipoter. Allez hop, tiens toi. Ah mince. Ouais, donc, comment je m'accroupis moi? Ah bah d'accord. Hop là, bon, vous êtes tous morts, les gens, on vous en veut pas. À la prochaine. Ouais, je fais le tour comme ça, moi, y'a pas de problème. Ah, y'a peut-être quelque chose au-dessus vers le haut. Y'a quoi là? Y'a rien du tout. Non, si, là, y avait une échelle. Non, c'était un pauvre escalier bien pourrave. Hop là. Je vais juste sauter. Bref. Descendons, perdons pas de temps, vite. Hop là, faut juste passer là. On ouvre la porte là. Gardez ça pour le combat rapproché. C'est pas bon. À mon signal, en avant. En avant, hop là. Surveillez les coins. Ah, je crois qu'il y a du monde là-dedans, non? À gauche, RS. Personne ou quoi? À droite, RS. Surveillez les coins. Je suis pas au bon endroit, okay. C'est normal qu'il y ait personne. Hop, donc il y a quoi là au fond? Oula. Escalier, ok. Escalier, ok. Hop. Continuons à marcher tout droit. Oh, il y a du monde là. Ouïaïaï. Mitraillon. Courons. Ouïaïaï. Hop. Tac, je recharge. J'ai ma souris qui vise bizarrement en fait. Oula, c'est un peu rapide là. Je peux pas cliquer en même temps pour courir. Attendez. Ouais, si c'est bizarre. Ouh, il y a du monde là-dedans quoi. On dirait si ça tire, oui, c'est qu'il y a forcément du monde, tu vas mourir toi. Oui, ça y est, il est mort. Hop. Courons. Passons par en bas. Oh, ah non, c'est encore un copain. J'aime bien tirer sur mes copains, décidément. Hop. Je pense que vous l'aurez remarqué rien que pour les deux vidéos. Enfin, je l'aurais peut-être mis plus à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai mis deux vidéos de Call of en ligne. Bon, qu'est-ce qui se passe? On continue. Attention. Oh. Putain, il m'a fait peur ce con, et voilà, je suis mort. Pourtant, j'ai tiré dessus, hein, vous êtes d'accord. Hein. Vous mettrez la vidéo ralenti, super ralenti. Hop, bon, allez, on continue. Punaise, ça commence super cool, bien. Je suis déjà mort, le premier épisode. Attendez, on se met à coupie. Bon, allez, des foules, on fonce dans le temps. Hop là. Bah. Ah, bon. Gaz à droite. Putain, je tire sur mes amis. Donc, il est où? Faut aller là. Et où? Ouverture de porte, s'il vous plaît.
chers messieurs. Prêt. Allez, hop. C'est là, je crois qu'il va y avoir plus de monde, donc on va essayer de pas mourir, ça va être chaud. Tu me bloques la route, toi, copain. Ah, voilà. Laisse-moi passer. Il y a quoi en face? Il y a plein d'ennemis partout, et c'est juste pas facile à la souris, j'ai vraiment pas l'habitude. Et... Tiens-toi, hop. Ah, lui, là-bas, il se sauve. Vite, 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 vite. Non, il se sauve. Ouh, bah, en bas. Tiens. Il est pas mort. Hop là. Encore un. Hop là. Je vais courir, recharger mon arme. Tiens toi, hop. On y va. Ouais, c'est vraiment bizarre de jouer sur PC à Call of là. Y a-t-il du monde là-dedans? Il y en avait un là, je sais pas s'il est mort. Non, 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 non. Oh là 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 là. Oh putain. Il y en a encore un là. Ah là, vous voyez, là, j'ai voulu viser avec le viseur comme ça là, mais la souris n'a pas voulu. Je crois que c'est quand j'appuie sur plusieurs boutons en même temps, ça détecte pas trop. Enfin, j'ai pas une souris de gamer non plus. Hein. Parce que je joue quasiment presque pas souvent sur PC. Pour... Ah mais non, c'est pas une tête, c'est au trublot bizarre là. Hop, moi je reste accroupi. Pour lancer une grenade à fomentation, j'ai une souris du milieu. Tac, tac, tac. Putain, y'en a un là. Petite recharge vite. Ah. Bref, faut courir. Lui il est mort. Lui aussi. Lui aussi. Et faut que j'aille où? Par là, je crois. Il y a peut-être encore du monde. C'est peut-être pour ça que... Tiens. Ah, je suis bloqué par une pauvre machine, là. Ah, punaise. Voilà. Tiens-toi, hop. Cours de l'autre côté, mon ami. Je ne veux pas te voir mourir encore. Ouf. Ouais. Bon, j'espère que c'est mieux dans les autres gameplays. Bah, j'essaie de régler déjà la sensibilité parce que là, ça va beaucoup trop vite. Ah, c'est Gaz. Quoi ? Gaz. Quel nom, Gaz ? Je m'appelle Gaz. Allez là. Outrons dans le machin truc là. Allez vite. Faut que je récupère un document, je crois. Si je me rappelle bien. Ça va vraiment. Prenez ce que je peux et foutre le camp vite. Bah, j'aimerais, je peux mettre en. J'étais peut-être pas du bon côté. Ah voilà, V. Ok, là va y avoir une magnifique explosion du bateau avec de l'eau partout. Donc, ceux qui n'aiment pas l'eau, vous pouvez passer. Pas, 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 c'est la vidéo, hein. Je parle bien sûr passer le passé. Oulala, là là, tiens, Gaz est tombé à côté de moi. Captain Price. Et voilà, l'eau en feu, je sais pas trop, elle est sur le côté là. Wouhou. Crysis 2 ont un peu copié sur ce jeu finalement. Quand on regarde bien le début de Crysis 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous sommes dans un truc qui coule. Enfin, oui, si, qui coule. Enfin, bref. Enfin, chacun pensera bien ce qu'il veut. Hein. Faut, hop là, encore de l'eau partout. Prends ta douche, tiens. Avancez, avancez. Courons, courons, plus vite. Ah, je suis coincé. Non, je ne suis plus coincé. Et je cours. Je cours et je vais me faire bouffer. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Ouais, voilà, hop. Au moins, disons qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est cool, quoi. Donc là, j'avance encore. Putain, on se retrouve vraiment dans cette position trop bizarre, ça change tout. C'est étrange. Ah, mon dieu. Je suis juste en train de me perdre. Vous êtes trompé de route, c'est bien ce qui me semblait. Je vous avais dit que ça allait pas aller. Là, faut monter à droite. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ah si, ouais, voilà. En fait, j'étais tourné à l'escalier comme un con. Donc, je crois qu'il va falloir aller sur le pont ou je sais pas où là. Et s'échapper tout doucement. Il faut jumper avec espace. Hop là. Et là, il n'y a qu'un con comme dans tous les jeux qui ne peut pas monter. Bah, c'est moi. Et voilà, la mission est terminée. Magnifique. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Infinity Worlds Present. Call of Duty 4, Modern Warfare, une production je ne sais quoi.
Donc je sais pas du tout à combien de temps j'en suis d'enregistrement. Je sais pas si je vais m'arrêter là ou pas. Ouais, un petit chargement. Donc je vais arrêter là et je vais juste vous dire à la prochaine fois. Je vais juste vous laisser le briefing, comme ça on commencera directement dans le vif de l'action. Donc pendant ce briefing, je vais juste vous parler d'un tout petit truc qui va se passer sur ma chaîne. C'est juste que je vais essayer de faire un nouveau type de vidéo. Donc en fait, je vais essayer de me mettre à la place du personnage dans le jeu, dans n'importe quel jeu. Par exemple, le gars qui est dans Call of Duty ou dans Dead Space ou Hitman ou je ne sais quoi, qui est le pauvre type qui est dans un jeu. Et je vais essayer de me mettre à sa place, donc ça peut être sympathique. Donc tous ceux qui voudront suivre ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner et également à aimer mes vidéos. Enfin ça, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, je vais vous laisser la cinématique et vous dire à ciao, salut, ciao.